take note of the rhythm. A record stands down its road of sin and self-destruction, leading Texas rockers to a total nation in the fiery depths of hell. Ciboulette, Toff, la bricole. Thierry Baucher, Marie MC, hello! Dominique Chevrier, bienvenue. Écoutez les Rockin' Hellfire, Espagne. Jérémy, Vincent Begazini, Sissi Boulette, Rock and roll is the devil's music. Oui, c'était Dicat's Records. Dans les prochains temps, on va faire la fabrication de West, comme ça, West Delicats, devant, derrière. Ceux qui sont intéressés, vous m'écrivez en MP, je vous dis comment on fait. Voilà, toujours pour soutenir l'action. Donc, ce soir, à la demi, nous aurons le grand Texan qui va venir. Bah, je dis le grand, parce qu'il est grand dans nos cœurs. Il est grand en savoir, il est grand en taille, il a à peu près 2 mètres et des brouettes, il nous le dira après. Moi je suis un tout petit à côté avec mes 1m86, mais c'est pas grave.
Et il va nous raconter, il va nous parler des news du rock and roll, les sorties de disques, les sorties de films, qui s'est marié avec qui a divorcé avec qui a trompé qui et tout ça. Tout ça, c'est le savoir de Texan, mais tout dans le milieu rock and roll. Comme ça, les curieux et les curieuses sauront ce qui se passe. Qui a trompé qui avec qui? Voilà. Monsieur Texan le sait. Alors, on va continuer maintenant. Il y a une exclusivité. Rockinaldo, je passerai cette chanson deux, trois fois dans la soirée, parce qu'il y en a qui viennent en cours de soirée, et en plus, il viendra vers les 20h pour nous présenter cette composition originale. Ça fait une année presque que on est sur le Billy Live Rock and Roll Show. Vous voyez, ce soir, j'ai pas mis de petit soleil qui brille autour et tout ça. Je l'ai laissé libre l'écran. On s'en fout. On est entre nous. Comment on peut dire. Voilà. Donc, il a composé une chanson en l'honneur de Teddy Katz. Teddy Katz, le petit chat rockabilly qui est derrière moi, le nouveau label qui vient d'être créé grâce à 18 groupes français et belges, et allemands aussi, il y a du monde. Mais surtout, les 17 groupes français qui sont fédérés pour créer une compilation dans... Et nous avons créé un nouveau label qui s'appelle Teddy Katz Records. Mais nous n'allons pas travailler juste à vous éditer un disque et à vous les mettre dans les magasins ou dans les foires ou je ne sais quoi. Nous, on fait la promo. On a envie de faire la promo, des vidéoclips, de diffuser une petite télé, une petite radio, un petit direct. Surtout ce qu'un groupe a le plus besoin. Voilà. Et Aldo, un de ces groupes... ou un de ses chanteurs, ou un de ses artistes qui fait partie de la compilation, bah, il a décidé d'écrire une chanson en l'honneur de Teddy Katz Rock'n'Roll. Et il a écrit Teddy Katz Rock'n'Roll, il viendra nous en parler à 20h. It's rock and roll. Got to rock and roll. Alors, Patos le Disco, je te remercie pour tous les partages que tu fais à gauche, à droite. Teddy Katz Rock and Roll. Teddy Katz Rock and Roll. Alors Vic Revel avec Renard Tam. That's rock and roll. It is God's rock and roll. That's what I call. Teddy Katz rock and roll. Hello, Sabine Bleu Nuit. Bonsoir. That's what I call. Teddy Katz rock and roll. Bruno HRL. Je voulais vous dire quelque chose pour hier soir. Je vous remercie beaucoup pour les 120 partages. Je vous remercie beaucoup pour les 120 partages dans les groupes et partout. Et ce qui a fait, c'est qu'à la fin de l'émission, il y avait presque 500 personnes qui ont écouté Nelson Carrera.
Et aujourd'hui, je regardais aux dernières nouvelles, ils étaient autour de 1000 qui ont suivi l'émission. Et voilà, bah c'est toujours grâce au partage, parce que ce que vous semez un peu à gauche, à droite, il y a des gens, bah, en ce moment, ils sont en train de travailler, que ce soit dans la restauration, que ce soit en train de coucher leurs enfants ou quoi que ce soit. Ils branchent leur Facebook à 11h, minuit, 1h, 2h, 3h du matin. Ça dépend de quelle région du monde ils habitent. Eh bah, ben, ils passent, ils me voient, ils voient ma gueule, ils voient des chatteurs en dessous, ils cliquent. Ah, il y a du monde rock'n'roll, mais je reste. Et voilà. Et ce qui fait beaucoup d'audimat. Moi, je ne suis pas payé sur l'audimat et je ne suis pas payé du tout pour faire ça. Ce qu'il y a, c'est que quand on a un invité, comme on aura Gégen Vidal vendredi prochain, qui est aussi un des grands producteurs du sud-ouest, pas de Quetch ou de, comment on appelle ça, des pruneaux, d'Agen. Non, il a produit beaucoup de festivals de rockabilly, de rock'n'roll. Il nous racontera aussi son aventure, un peu comme l'ont fait Jackie et Liliane il y a quelques semaines de ça. J'avais le grand homme il y a quelques années en interview dans une de mes émissions sur une radio où Texan aussi commentait les news. C'était sur Radio Musicos ou je ne sais plus. Dommage que je ne peux pas l'inviter, mais peut-être pourquoi pas inviter sa fille qui a pris la suite et je la félicite. Allez, on va écouter un bon petit rock'n'roll. Bah, il est là, Rock the Joint. We're gonna tear down the mailbox, rip out the floor, smash out the windows and knock. Jerry Cutts, rock and roll. Rock this, don't be gonna rock. Rock this, don't be gonna rock. Rock this, don't be gonna rock this joint tonight. Well, that's 6 times 6 is 36. I ain't gonna hit for 6 more licks. We're gonna rock. Rock this, don't be gonna rock. Vous écoutez les Restless. Rock the joint. Alors Coco Miotte, bienvenue. Yeah. Comme je disais, vendredi prochain à 19h30, nous aurons l'exclusivité, un invité surprise, non pas surprise, Gégen Vidal, le grand organisateur de festival dans le Grand Ouest, Sud-Ouest, pardon, Stéphanie Fournier, bienvenue. Allô Patrick Jean Soulin, l'ambassadeur sud Teddy Katz. Yeah. Je remercie également aussi les sponsors qu'on a eu cette semaine. Je vais le mettre en pour Teddy Katz TV, un petit lien qui circule de temps en temps. Donc on a réussi à récolter un bon billet déjà pour Paris d'environ 60€. Dès qu'on arrivera à peu près à 200, 150, 200, bah on pourra aller à Paris faire un beau reportage sur Ed Dennis et toute la bande et comment ils s'appellent tous à Paris, bah ils s'appellent Rockers et chanteurs de rock. Donc voilà, je remercie les heureux donateurs. Voilà, comme dirait le Billy. Où est-ce qu'il est, mon ami Teddy Katz? Je le vois pas. Salut, mon Tex. Content de vous entendre. Ma Tex va parler dans 17-18 minutes exactement. Il va appeler le standard de Billy Live Rock'n'Roll Show Teddy Katz pour nous commenter les sorties de disques et
Les news. Je l'ai dit en début d'émission, il connaît toutes les news. Qui a divorcé avec qui? Qui fricote avec qui? Qui a trompé qui dans le milieu rock'n'roll? Donc, les news de Texan, c'est pour 19h30 environ. Ça peut être 31, 32 ou 28. On verra. En attendant, on écoute du bon petit rock'n'roll. Pas du petit, du très très grand rock'n'roll. On va écouter les Hot Rock, justement. Je parlais de Monsieur Red Dennis et de toute la bande. Ben, on va les écouter. King of Game. Ils font partie de la compilation Rock in France, volume 1. Hello, Didier Boulon. Sure I was born for fortune and fame. They used to play my records across the land. Straight up called the king of the game. Cause when I rock on that stage, you can hear him screaming a lot of things. And when I do the bop, just right on spot, nothing can make me stop. Cause I'm free, free and the rhythm is rolling. Give me a solid beat, here's all I need. Make the girls go wild. But there's a baby doll who'll stay at home while I keep singing rock. Hello, Mimi. You have to learn the game. Cause I'm reaching for the fame. Si c'est possible, Mimi, de te glisser demain pour les news des concerts, s'il y a encore des concerts. Alors Michel Berichel. Cause I'm free, free and the rhythm is rolling. Give me a solid beat, here's all I need to make the girls go wild. But there's a baby doll who stay at home while I keep singing rock and roll. She'll have to learn the game, cause I'm rich and fallen to fame. Vous écoutez le Billy Live Rock and Roll Show. Salut Jean, salut Jean-Marie. Here's all I need. Make the girls go wild. But there's a baby doll who'll stay at home. Well, I keep singing rock and roll. She'll have to learn the game. Cause I'm reaching for the fame. Salut à Bruno Bodega et j'espère te voir sur Marseille le 28. Yeah. Oui, Bruno Bodega, c'est quelqu'un qui a organisé de très très bons concerts sur le sud de la France, côté Marseille. Miliano et Myriam Rondo, très belle musique, mais c'est normal, c'est nos Hot Rocks. On va écouter les Ricochettes, ce soir un peu dans l'original. Là. C'est excellent que Bruno soit là. Au plaisir de te rencontrer.
À propos de ce Teddy, c'est un gilet Teddy. Très prochainement, je vais passer la commande, donc c'est pour ça que je l'ai mis. Parce qu'au départ, je l'ai fait rien que pour moi. Devant, vous avez un Teddy Cats, voilà. Un petit Teddy Cats, et derrière, sur tout le dos, vous avez un grand Teddy Cats. Il y a déjà pas mal de gens, une dizaine, qui ont la chance de l'avoir, parce qu'on a pu faire une première commande. J'espère que vous voyez derrière, non ? Non, vous voyez pas. Il faut que je trouve une solution sans me casser la gueule. Voilà. Donc il y a derrière, je vous montrerai, vous suivez ma page ou vous venez spécialement sur ma page, je vous montrerai un petit peu, il y a plusieurs couleurs, il y a du noir, il y a du blanc, du gris, du bleu, plusieurs bleus, il y a du vert, il y a du rouge, il y a plusieurs couleurs. Et donc on les fait aussi pour Teddy Cats, donc ceux qui aimeraient avoir une veste comme la mienne. Ça peut être la couleur que vous voulez, mais il y aura toujours un Teddy Cats devant, un Teddy Cats derrière. Vous m'écrivez en MP, je vous dis comment on fait. Voilà, pour l'avoir. Je passe les commandes dans quelques jours. Il y en a, j'ai pas mal déjà de commandes en attente. Donc, je vous donne encore 2-3 jours pour ceux qui en veulent un, pour me faire une commande. Je vous dis comment on fait. Et puis, voilà, on va passer la commande selon les couleurs et les tailles. Parce que des t-shirts, j'en ai plein, des t-shirts Teddy Cats. J'en ai plein en stock de toutes les tailles. Mais un t-shirt, bon, bah, on peut toujours trouver preneur sur une taille ou quelque chose comme ça, tandis que des gilets, c'est déjà la commande, c'est beaucoup plus cher, donc je veux pas prendre des risques. Le mieux, c'est de me commander la taille et la couleur que vous voulez, et voilà, un petit chèque de caution jusqu'au jour que vous recevez la marchandise, et voilà, c'est tout ce que je demande, mais seulement ne pas rentrer dans des déficits ou quoi que ce soit. Coco Miotte, bienvenue. Qu'est-ce que je vais pouvoir? La School of Rock and Roll, ça c'est bon, ça. On adore l'école du rock and roll, surtout qu'il y a des belles étudiantes. Bruno Balgan. Gilbert Buchmann. Alors la Bretagne. De rien, Laurent Lacombe. Sois avec nous et reste avec nous. Beaucoup d'entre nous qui avons aimé ça dans les années 80-90, on a eu un mariage, on a eu plein de choses, de changements dans la vie, donc on a décroché un petit peu et sans être sur Internet, on a cru, si dans la région il y avait rien, donc on a cru que tous nos potes s'étaient rangés, qu'il y avait plus rien.
Bah, c'est plus la même manière. Maintenant, on écoute du rock and roll. On sait où acheter un disque, où se procurer un habit, où sortir quand il y a une concentre ou un festival. Donc, grâce à des émissions comme ça là et d'autres, parce qu'il y a aussi d'autres gens qui en font des lives ou des ceux qui organisent des festivals. Des gens se retrouvent petit à petit. Une fois que les enfants sont grands et compagnie, bah, qu'ils ont envie de refaire des sorties et de refaire partie de ce qu'ils ont aimé dans leur jeunesse. Donc, vous êtes tous les bienvenus. Suivez le move. Il n'y a plus besoin d'avoir la banane, les grosses creepers et compagnie. Bah, si tu arrives avec la banane et les creepers, c'est tant mieux, mais c'est plus obligatoire. Tu arrives et... tu rentres dans les salles, tu remplis les salles de concert, tu danses un petit peu, tu grooves, tu moves. Si le groupe est bon, bah, tu lui achètes son disque, tu le soutiens de cette manière-là. Et c'est ça l'essentiel. Il n'y a plus le rocky ou le rocker de base juste pour la baston, pour se mettre dans la gueule à gauche, à droite. Non, ça n'existe plus. Maintenant, on est des fans de musique. On se rencontre, on sait qu'il y a là et là un concert, ben on y va, on se prend un plaisir à se rencontrer au bar, à se dire salut, on retrouve des potes de notre jeunesse, bien qu'on soit pas vieux aujourd'hui, c'est un mauvais mot la jeunesse, il y a toujours une jeunesse dans la vie, on est toujours plus jeune que quelqu'un, donc on peut continuer à faire ça et au moins à soutenir le move jusqu'à que des jeunes reprennent le flambeau. Et maintenant, la plus grande lutte que je fais maintenant, c'est que des jeunes reprennent le flambeau. Leur donner envie de jouer, de faire partie de la scène, d'organiser, de sortir, voir des concerts de rockabilly, de rock'n'roll, parce que c'est une musique, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus fantastique. Quand vous voyez un groupe ordinaire de d'autres musiques ou de rock, ils sont là sur la scène, certains sont en short... avec des tongs, avec leur guitare, tout ça, ça veut pas dire ils jouent très très bien. Mais le rockabilly, le mec qui jette sa contrebasse en l'air, l'autre qui monte sur sa batterie, l'autre qui se fout couché en train de jouer derrière la tête du bon rockab, l'autre qui lui monte dessus, c'est une énergie, pour moi c'est autre chose quoi, c'est ce que j'aime. Après, d'autres me démentiront, mais le rock'n'roll, bah, on voit un bon groupe de rockabilly sur scène, bah, quand les mecs, ils montent sur les contrebasses, sur les batteries, et le solo qui pète, quoi, bah, c'est quelque chose, quoi, avec les mèches qui tombent dans les yeux et tout, quoi, j'adore. Coco Miotte, il faut m'écrire en MP, je peux pas prendre de commandes et répondre pendant l'émission, je fais mon émission, je vois vos messages défiler, mais je ne peux pas répondre, merci, donc écris-moi en MP, voilà, et je te dirai comment on fait. Allez, on va écouter Limited, un peu de Teddy Boys, de Tenza. J'attends Henri, c'est ça, qui va balancer son corbeau noir là. Hello, Alsa, Lyon, Teddy Boy Lyon. He's Elvis, yeah, Mississippi Flash, a boy who dared to rock. Let go. He dared to stay around and shake his leg. He dared to wiggle his hip. He dared to face the critics. When he mocked the squares with glimpsing eyes, to call him a devil in disguise. He's Elvis, yeah, hillbilly guy, a boy who dared to rock. Let's rock! Hello, la Suisse. Hello, Franck Pierre. Franck Fortier, merci pour tous les partages que tu fais.
Oh, Stephen. Alors, Marco, le Télicas de Paris. Lurel, bienvenue parmi nous. Je te passe assez souvent avec ton groupe et on adore votre musique. Alors, bienvenue. En attendant que Texan appelle pour donner les news du rock and roll, on va continuer à écouter. Bah, tiens, un truc pour les militaires du sud des États-Unis là, les rebelles, comme on les appelle. Un petit Rockinaldo, Rise the Flag. Allez, garde à vous. Bonsoir Johnny Gauthier et Paul Gauthier, bisous à vous. Alors Bruno Bodega, bienvenue et au plaisir de se rencontrer bientôt. Enfin. Allons Jean-Patrick Costa. Rockinaldo, Rise the Flag. Rockinaldo qu'on va avoir bientôt après Texan en ligne, qui va nous présenter sa nouvelle chanson, l'hymne Teddy Cats. Xenia, bisous bisous. Salut les Rockin' Babouches. Hello Italiano, Robin Maug. Bah là, on a monsieur, monsieur Rock'n'Roll, monsieur Texan, pour les news. Et je sais, il donne les news des sorties de disques, les sorties de films. Ouais. Mais aussi, qui trompe qui va divorcer avec qui, ces gars-là, etc. Oh là, moi, je suis Texan, je suis pas gala ou closer. Comment vas-tu, mon Tex? Je t'ai pas vu depuis longtemps. Ça va, comme j'ai dit, ça gèle, hein, j'ai pris de l'antigel, là. Voilà. Oh, punaise. Bah, tu sais qu'on a une salle. Ben voilà, c'est ça l'hiver en Alsace, hein. C'est ça, voilà. Attends, j'espère que tu rentres pas dans le rouge, là, comme hier, notre ami Nelson, au début, il grisonnait. Ouais. Attends, on va régler, tu parles, là. Tu nous chantes une chanson et... Ouais, ça va, oui.
Voilà. Dans dem Schlagerloch et dans le Wasserwelt. Dans le Wasserwelt. Quelles sont les news, monsieur Texan? Oh là là, oh là là. Attention, on va commencer par The Hot Rod Gang. Rolling Down the Hill. Avec un groupe, c'est un groupe suisse qui nous font du rockabilly, rock'n'roll, mais assez actuel hein, quand même. Hein. Après, on a, tu vas être content là, un groupe russe, Diddley Dogs, mais ils ont déjà fait plusieurs albums. Hein. Et l'album s'appelle Dog Days and He Hair. Ils ont 5 titres en anglais et les autres, ils sont en russe. Ah merde, je les ai pas doublés parce que je suis en train de répéter ma chanson et ça sonne bien. Hein. Ouais. Diddley Dogs, il faut que je t'envoie les trucs en russe, tiens. Ouais, il faudrait que tu m'envoies ça, et en anglais aussi, pourquoi pas. Non, non, mais c'est pas mal, hein, c'est, en anglais c'est très bien, et puis ils reprennent des classiques, et puis, comme même du Roy Orbison, mais, c'est bien, hein, c'est bien foutu. Après, on a un chanteur espagnol qui rend hommage au label Sun, et ça s'appelle White in the Sun. Et il y a 9 titres, et c'est que des titres, qui ont été faits au label Sun à l'époque, quoi, de Jerry à Elvis, Roy Orbison, et ainsi de suite. Oui, après, on a un monsieur. Où peut-on commander ces choses hein aein parce que. Felipe Quarté, mais il faut aller chez les disquaires. Il y a Crazy Time. Il y a Olivier Motto. Il y a Michel Garrett. Voilà. Et puis il y a Amazon, hein. Pareil, hein. Là aussi, tu trouves plein de choses. Voilà. Et d'autres, encore d'autres, il y a Discog, oh là là, il y en a plein, hein. BB Record en Allemagne, et ainsi de suite. Et là, je suis tombé sur une nouveauté, Stéphane Gribel, il s'appelle le monsieur. Il est alsacien? Bon, il est allemand, hein, presque, ouais, bah, il est presque alsacien, quoi. Ouais, bah, Stéphane Gribel, hein. Et attention, il a une carrière, lui. Alors, il a commencé avec un groupe qui s'appelait les Dirty Doggies, ça te dit quelque chose? Dans les années 90. Non. Après, il a participé, hein, il est chanteur, guitariste. Et il a participé avec les Ninomic. C'est un groupe allemand qui faisait du doo-wop. Ouais. Après, il a joué avec les Jive-O-Matics, qui faisaient du jive rock'n'roll. Après, avec Mike on the Rhythm Devils. Et maintenant, je pense qu'il en avait marre de jouer avec des groupes. Maintenant, il fait tout seul. Donc, il fait de la contrebasse, batterie, guitare et tout. Comme mais c'est bien monde, foutu, hein. Comme tout le monde, comme Tom Rolfe, par exemple. Franchement, c'est bien foutu, hein. Il joue très bien, il est un super guitariste et il fait du rock-up et du teenager. Mais là, c'est une nouveauté qui s'appelle Just Me Again. Il en a encore une autre qui est sortie, je la nommerai la prochaine fois parce que là-bas, c'est que des titres en allemand, tu vois, du rock'n'roll allemand, quoi. Et ça sonne un peu 50-60, voilà. Ah, et après, pour terminer les nouveautés, attention, le nouveau Jets, hein, qui s'appelle Hear Me Now. Alors, tout le monde les connaît, hein, on les connaît depuis les années 80. Ouais. Les frères Cotton, ouais, et 12 titres, compo perso et 2 reprises, dont une version de Jezebel. Mais vraiment super, hein, c'est des Jets, hein, c'est leur truc, qui fait des balades, du rockab, puis ainsi de suite. Voilà, mais vraiment Hear Me Now. Voilà. Après, on passe aux oldies. Alors, un CD qui est sorti chez Bear Family, Charlie McCoy. Tout le monde connaît Charlie McCoy, qui a accompagné les Mitchell et Period Country, il accompagne plein de monde. Hein. Et le CD s'appelle Screaming, Shooting, Begin, Pleading. Et c'est sorti chez Bear Family. Et il y a 29 titres. Par contre, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a fait avec Eddie Mitchell. Hein. C'est pas de la country. C'est du rock and roll, rock années 60, voilà. Avec des reprises et des morceaux à lui. C'est bien. Après, il y a une série de 4 albums. J'ai réussi à avoir 3. Le quatrième est un peu dur à trouver. C'est des mélanges et ça s'appelle Rock Around the World. Donc, c'est sur les 50, 60. Et c'est le rock'n'roll à travers le monde. Ça va du Japon, en Nouvelle-Zélande, Australie, Italie, Espagne, partout, quoi. Il y a des super trucs dessus. Et le volume 1, il y a même des trucs français, hein. Chaussettes noires, chat sauvage, et ainsi de suite. Et après, on a un bluesman qui s'appelle Robert Nighthawk.
Sweet Black Angel on More Chicago Blues. 23 titres, Jasmine. Bon, et maintenant, une info que m'a donnée Rocinaldo. Ah, bah, ça, c'est super. C'est un label qui s'appelle chez Digger Factory. Et va sortir en bande dessinée Eddie Cochran avec un vinyle 33 tours. Bah, c'est génial. Voilà. Oui, oui. Et j'ai regardé sur le label, tu peux commander que chez eux, quoi. Voilà. Mais c'est pour l'instant, c'est en précommande. Voilà. Et j'ai un petit souci aussi parce que j'ai reçu le vinyle de Rocinaldo. Ouais. Qui est très bien. Il est très bien. Par contre, moi, à Noël, on m'a offert une nouvelle platine, tu vois. Ouais, elle saute. Et j'arrive pas à écouter le troisième morceau. Le bras, il se lève avant. À peu près au milieu de la chanson, de la troisième de chaque phrase, tu vois. Et je veux pas traficoter à l'appareil, alors je vais voir ce qu'on peut faire, quoi, je sais pas. Bah, Ouais, c'est ça, essaye-le, je sais pas. Mais pas, parce que dès que c'est au milieu, ben, ouais, les 45 tours avec les deux chansons normales, il y a pas de souci. Mais là, il a mis trois chansons sur chaque côté. Et peut-être que, je sais pas si chez les autres c'est pareil, mais en tous les cas, chez moi, j'arrive pas à l'écouter, juste au milieu et après le bras, hop, il se lève et puis tac. Et les 33 tours, quand tu les mets sur ton, ça marche? Non, c'est 45, c'est pas 33 tours. Mais tu peux pas mettre de 33 tours sur ta platine? Mais non, c'est 33 tours, ça tourne au ralenti. C'est Rocinaldo comme ça, tu sais, on va voir Ivan Rebov. Non, mais j'ai pas ta platine, tu peux mettre un 33 tours dessus. Oui, aussi, oui. Et ça va jusqu'au bout, ou si ça s'arrête? Les gamins, je peux même mettre 78 tours. Ouais, mais quand tu mets un 33, ça s'arrête au milieu ou ça... Non, j'ai un 33, ça s'arrête normal à la fin. Ah, ok. Comme bah, quelque chose n'est pas normal, monsieur Aldo. L'Italien, alors, il est à la volée bagouillée. Ouais, et puis, sur le 25 cent. Ben, là, je sais pas si c'est pareil chez les autres qui ont commandé chez lui, j'en sais rien. Mais peut-être que c'est un défaut chez moi, je sais pas, je peux pas le dire. Mais, en tous les cas, bon, je peux pas. Parce que tu sais, tu peux... J'ai marché une platine où tu peux carrément enregistrer dessus, tu vois. Ouais. Tu peux enregistrer la platine et la mettre sur une clé USB, voilà. Et c'est super, il est bien l'appareil. Franchement, vraiment bien. Mais bon, maintenant on verra. Hein. Bon, j'ai écouté les quatre morceaux sur 6 de Rocinaldo. Bon, j'ai écouté les débuts. Mais c'est bien hein, ce qu'il a fait, c'est très bien. Voilà, c'est tout. Et après, on a les concerts. Voilà, on espère qu'ils auront toujours lieu, hein. Toujours, hein, le 5 février au Sud Hôtel avec le groupe à Nicolas, là, les Rambling Wolf, puis le 26 février, Rhine Valley, d'Autriche, et le 5 mars, Petit Chou. Bon, pour l'instant, normalement, si tu danses pas, normalement, tu peux faire une soirée, mais bon, hein. Ouais, alors, rester assis avec du bon rock'n'roll, ça fait un peu. Hein, je sais pas si t'as vu l'info sur Facebook, hein, Jacques et Liliane, ils voulaient faire un truc en février, comme tous les ans, et ben, c'est foutu, quoi. C'est hors de la préfecture, ils peuvent pas le faire, quoi. Voilà. Bah, je sais. Et ça continue nouveau le bordel, quoi. Je commence à flipper pour le mois d'avril, pareil, tu vois, c'est pas, là. Ça fait troisième année qu'on n'aura pas, mais j'espère que ça se fera quand même, quoi, merde. On verra. Nous, on a une bonne nouvelle. Dans le nord de l'Alsace, côté Haguenau, nous avons une salle pour pouvoir organiser des événements entre nous. À Haguenau même? Non. Sur Rovillers, à côté de Bichelaire, nous avons une belle salle. Donc, je vais mettre les choses au point. Donc, il y aura... ça sera le QG Teddy Katz. Et il y a à peu près 200 mètres carrés de surface. Une salle avec une scène et tout. Il n'y a pas la scène, mais il y a de quoi bien faire les choses et un grand parking et un parking pour pouvoir faire des festivals en été et tout ce qu'on veut. Voilà. Bah ouais, tant mieux alors. Rovillers, oui, ça me dit quelque chose. C'est 30 minutes de Strasbourg, sortie autoroute, il y en a pour 2 minutes. Voilà. C'est pas là où t'avais prévu le resto, là? Voilà. Non? Voilà.
C'est là. Voilà, le resto, il prend du temps, le bar, il prend du temps, mais nous avons une salle juste en face avec un grand parking et nous comptons l'utiliser insensément. Elle appartient à la commune, la salle ? Non, c'est privé. Ah, d'accord. Voilà, okay. Donc il y aura des soirées, des concerts, des soirées. Ouais, bah, au moins, si tu fais une soirée, le bar et tout ça, c'est pour toi. Voilà. Bah, c'est pas pour moi, c'est pour qu'on puisse faire venir aujourd'hui. Je veux dire, pour ceux qui organisent. Voilà, aujourd'hui. Je sais que tous les concerts que moi j'ai organisés à l'époque, c'est toujours le bar qui nous a sauvés. Bah, c'est ça, alors, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai parlé avec Zlatko Tudja, l'ex. Black Raven, actuellement c'est Rockin' Hellfire, on a discuté, dès qu'ils vont aller sur l'Allemagne, ils feront une petite cloche par l'Alsace, alors soit ça sera chez Rocky au sud hôtel, soit ça sera chez nous dans le nord, quoi, ils manqueront pas de nous contacter, il y aura de plus en plus de groupes qui feront des passages grâce aussi à notre émission qui commence à devenir crédible, donc sur l'Alsace, il y aura des groupes qui vont faire une petite halte. Il faut que tu prennes contact avec le mec qui joue avec les... comment il s'appelle, Bernd, celui-là qui joue avec les Jungle Tigers. C'est lui qui avait fait venir les crazy têtes, tu sais, les japonais chez Rocky. Ouais. Bernd, oui. Ouais, bah on verra tout ça. Il est bien, lui, il est super, le gars. De toute façon, tous les groupes qui passeront pour aller jouer en Suisse ou en Allemagne, ils seront toujours les bienvenus en Allemagne, qu'ils soient en Alsace, pardon. En Alsace. Il y a une organisation qui est Nord-Sud, parce que Rocky, c'est notre ami et nous sommes tous ensemble. Il n'y a pas deux organisations, mais il y a juste une organisation. Soit ça sera au sud d'hôtel, soit ça sera dans le nord d'Alsace, près d'Agno, et voilà, une fois là-bas, une fois par-ci, par-là. J'en profite pour saluer Bruno Bodega, que j'ai rencontré chez Rocky, au bar, et aussi à Tignan. On avait passé des bons moments ensemble, quoi. J'aime bien. Je ne l'ai pas rencontré, mais on va se rencontrer le 28 janvier. Je serai à Marseille, donc. Si, on l'avait rencontré à Tignan avec Patrick aussi, tu sais, avec Patrick Sardella. Oui. Et on avait bien discuté. C'est un vrai, un peu sauvage, le gars, quoi. Avec des grosses flaquettes. Voilà. Et super sympa. Non, il est sympa. Qu'il organisait à Montpellier, je crois, des trucs c'est comme ça. C'est ça. Et donc, il y a à peu près deux ou trois ans, on s'était mis d'accord et on s'était promis de se voir à Marseille parce que moi, je vais voir mes gamins en bas. Et on n'a pas eu l'occasion. Et là, je suis heureux. On va se voir à la première TD4 Réunion Sud. Le 28 janvier, voilà. Et je peux pas y participer, On fera une TD4 Réunion Alsace aussi, TD4 CD en Alsace, on en fera, maintenant on a la salle, on se fera au moins un petit apéro avec des petits chips et comment on appelle ça, les bretels ou... Ouais, oui. les tartes que les femmes vont ramener, voilà. On a le local. On se retrouve la semaine prochaine. T'es encore là, la semaine prochaine? La semaine prochaine, mercredi, oui. Ok. Je travaille le matin au Parlement européen et à 16h, j'arrête et jusqu'à là. 17h, jusqu'à la commission. Alors, un salut à tout le monde et j'espère qu'ils ont bien noté tout ce que j'ai dit et qu'ils commandent par Internet et par PayPal et ainsi de suite. Et surtout chez les amis qui font disquaire. Donc Pierre, Michel ou Olivier. Il faut les faire vivre. Hein. Voilà. Les Crazy Time et tout ça, et ils peuvent pas faire de trucs non plus. Il y a pas de festival, ils peuvent pas faire de stand et tout. Alors ils sont aussi embêtés. Hein. Éviter. Comment ça s'appelle de nouveau la grosse boîte là que t'as dit tout à l'heure. J'y suis aussi. Amazon. Amazon. Voilà. Aller chez Pierre. Ouais, Olivier, mais bon, des fois on trouve des trucs intéressants, quoi. Voilà. Ah, je le sais. Mais des trucs plutôt courants, tu sais, grand public, rock'n'roll, grand public, groupes qu'on connaît un peu, qu'on connaît que dans le milieu, quoi, tu vois. Donc, je suis grand public parce qu'on me trouve sur Amazon. Oui, je t'ai déjà vu. Mais jamais une femme s'est jetée sur moi en passant par Karlsruhe, Mannheim, Strasbourg. Elles me reconnaissent pas, même si je suis grand public, quoi. C'est qui ce rocker, voyou et compagnie. Allez, on va écouter. Tu connais les Blue Teds, les jeunes là de Normandie. Bah, on va les écouter. Teddy Boy Rock. Allez, and hop là. Hop là, guys. Salut, bonne soirée à tous. Salut. Yeah. I got the new jacket in the vicinity.
said cheers. Rocking in the hole, you're the bopping blues. I took out here, the prettiest town. Cheers go up here, the obvious spot. Teddy boy rock, teddy boy rock, boy rock, 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 rock. When I come to the club, first get some beer. Long because you're the crazy beer. I scoot up in the rock in the door. Rock in the pop and then I don't throw it. Teddy boy rock, teddy boy rock, 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 rock. Let's go say it. Quel baratineur ce Billy, dit par Nathalie, ça va. Et dit par Rocky Teddy Cat, ça ne va pas du tout. Marcella! Jacques Blondel, bonsoir! Là, on était en Normandie, à les Blue Teds. Et avec Luigi au chant et à la guitare et tout le restant de la bande derrière qui suit à la basse et à la batterie. Maintenant, on va vers Saint-Etienne. On va écouter les Rockin' Daddies qui vont nous chanter Boogie Bob Dem. Et ils sont tous sur la compilation Teddy Cats qui va sortir dans quelques jours. Alors, pim, Patrick. Anybody goes to the boogie bop day. See a jive and hope for day. Every time your boogie's playing a boogie bop day. Boogie bop day. Hello United Kingdom, Adrian Carmel. Welcome. Boogie bop day. Boogie bop day. You're a boogie. Boogie bop day. Let's rock. Continue à partager l'émission à gauche, à droite. Everybody knows she works a midnight shift. You turn left, right at two. Then you know she's in my groove. My boogie bop day. My boogie bop day. My boogie bop day. My boogie bop day. Got a boogie. Boogie bop day. Let's rock. Bonjour José Nelissen, bienvenue. See what was the floor, I came for more. Used to buy my lunch, not with her though. No use, I just want to live. Everybody knows she works a midnight shift. You can left, right in two. Then you know she's in my groove. My boogie bop day. Boogie bop day. 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 My boogie bop day. Let's rock. Vous écoutez le Billy Live Rock and Roll Show pour Teddy Cats Records. See what on the street, skipping a beat, snapping my finger, shake your beat. Crazy like mama, ain't got a name. Anybody goes to the boogie bop, baby. See your tongue in the whole morning. Every time your boogie's playing, a boogie bop day. Boogie bop day. My boogie bop day. Boogie bop day. My boogie bop day. Boogie bop day. My boogie bop day. Boogie bop day.
Alain Barthes et bienvenue à toi, chez toi. Parce que ce territoire et ce chat, bah, c'est le chat rock'n'roll, rockabilly de France et d'Europe, parce qu'il y a de plus en plus de gens. Je salue l'Allemagne. Hello, hello München. Je salue la Suisse. Salut la Suisse. Je sais qu'il y en a qui écoutent. L'Italie. L'Italia. Forza Italia. Les Espagnols écoutent également. L'Amérique du Sud écoute. Les États-Unis d'Amérique écoutent. L'Angleterre écoute. Ils viennent un jour sur deux ou trois, mais c'est pas grave. Ils sont là avec nos petits Français. Ben, je vous remercie. Et le rock'n'roll est grand. On va mettre nos chapeaux de cow-boy, enfourcher nos poneys, et on va écouter les Ghost Highway. I'm going up the country, baby, don't you wanna go? I'm going up the country, baby, don't you wanna go? Gone to some place where I've never been before. I'm going alone, and the water tastes like wine. Hambourg, Hambourg ou Hambourg. Pascal Schmitt et Sandrine, salut à vous. Alors Didine Huguen, hello. Bisous à toi. Ghost Highway, going up the country. Now, baby, back you live in Turkey, you know we're bound to live today. Just everywhere we're going, I can't say, but we might even leave the USA. Daniel Prêcheur, bienvenue. Christelle, bienvenue. Bisous à toi. Problème, Patrick Jean Soulin, vive Marseille. Allô, Pierrot Georges. No use of you running or screaming and crying, cause you've got homeless and I've got mine. No use of you running or screaming and crying. Allô, Didine, bienvenue, bisous. Où sont les autres filles du Tchad? J'espère que vous les draguez pas après le... Ah, Maria Louise Leaf qui nous vient de München, de Munich. Willkommen, Maria. J'espère que vous les draguez pas trop et que vous leur faites peur. Après, elles osent plus venir sur le chat. Allez, venez les filles, rentrez. Moi, je vous protège.
Et tous mes amis vous protègent de quelques petits cochons là qui little pig, après je vais le passer là, les petits cochons là qui n'arrêtent pas de draguer, d'envoyer des petites fleurs, des petits lapins scintillants et compagnie. Mais ça ne se fait pas, bordel, on est des grands-pères là. Soit une dame, tu lui envoies des fleurs ou un disque de rock'n'roll à son adresse, et si elle t'invite à boire un petit café avec un petit gâteau, ben tu es le bienvenu. C'est fini le truc. Ouais, t'es belle, Isabelle, roi. Non, ça marche plus, ça. Allez, on va faire du rock'n'roll qui te rentre dedans. Celui-là, il te rentre dedans et il te rentre dedans. Mieux. C'est Patrick Jeansoula, le grand dragueur. JP Rebel, bienvenue. Continue à partager l'émission à gauche, à droite. Oh Chantal, je suis sûr que tu fais partie d'une de ces victimes. Sois tranquille, on te protège. Et les méchants, on va les châtier. Hello Ricky. En attendant l'appel de Monsieur Rocchinaldo pour qu'il nous parle de sa nouvelle chanson, de la composition, et qu'il nous parle de Teddy Katz, Rock and Roll, ou le nouveau label qu'il crée, bah, il a fait ça avec ses musiciens et une intervention de Monsieur Tom Roth. Voilà, la coopération Teddy Katz commence. Voilà, bah, on a besoin d'un batteur, on va appeler Red Dennis, on va appeler un guitariste comme Tom Roth ou quelqu'un qui sonne plus années 50. Maintenant, il y en a plein. Mais le but de Teddy Katz, bah, c'est la Fédération Rock'n'Roll de France. FRF. Voilà. Oh là là, c'est. Il n'appelle pas, je ne sais pas, mon téléphone, il s'est même éteint, là. Le téléphone dit standard. À moins que Aldo l'a fait exploser, je sais pas, il va appeler en tout cas. Je vais vous chercher une bonne petite chanson. Qu'est-ce qu'on pourrait écouter maintenant? J'arrive pas à la trouver, c'est là le problème. Vous voulez un petit All Black Joe des Red Caps? Bon, on y va, on va les écouter. En plus, cette chanson, elle sera sur la compilation. Ouais, salut les Red Caps. Ah non, il n'y a personne qui vient te draguer, bah c'est tant mieux, la toupie Chantal, bienvenue à toi, je t'adore. I need to change you, oh, you don't it.
Rinaldo s'est trompé de numéro. Oui, JP, tu peux le dire, les Red Caps ont Rocky Bar toute une époque. Ça peut arriver parce que j'ai un numéro privé et j'ai un numéro du standard. Le standard, il est jamais. Je m'en sers que pour les gens qui interviennent dans l'émission. Rockinaldo, c'est le 07 48. Quelqu'un aurait le numéro du standard, je ne l'ai pas non plus. 07 48 et après si quelqu'un peut le marquer sur le chat pour Aldo ou l'envoyer à Aldo directement. Voilà, il a trouvé le jeune homme l'a trouvé. Allô Aldo. Bonsoir Billy, je me suis trompé de numéro. Le numéro. Ah mais moi je peux pas te prendre sur mon numéro privé non, parce que mon bien, numéro non, non, mon non, numéro non. Privé il y a que les gonzesses qui peuvent m'appeler quoi. Ah, c'est pour moi. Ça fait plaisir. Bel accueil. Pendant l'émission il y a que les filles qui peuvent m'appeler. Là j'accepte pas les autres quoi. Ah oui, je suis hétéro, hein, ça. Voilà, heureusement. Ouais, pas de polémique, pas de politique ici. Ah, non, chacun fait ce qu'il veut avec ce qu'il veut. J'y ai envoyé, c'était Tom Groff qui t'a envoyé le numéro, je parie. Non, il vient de me l'envoyer, mais je ne sais pas. 07, ça c'est sorti direct. Ah bah, monsieur Tom Groff, tu auras le droit à passage ce soir, parce que tu m'as fait une merveilleuse chanson hier. Et bah, allez Aldo, quoi de news? Eh bah, tu m'as demandé de t'appeler par rapport à mon nouveau morceau, pour rendre honneur à ce que tu fais, à l'émission, à tout le monde, à tous ceux qui participent, parce que j'ai pensé à tout le monde dans cette chanson, et voilà quoi. C'est venu un matin, me levant, en buvant mon café, comme un fou, quoi. Dedicated rock and roll. Dedicated rock and roll. Et qui tu voudrais saluer, souhaiter le nouvel an à... Je sais pas si tu es intervenu dans l'émission, il me semble que tu es intervenu depuis nouvel an. Tu sais qu'on a une réunion sur Marseille, là-bas. Seras-tu avec les nôtres ou peut-être pas, peut-être que oui. Si, je suis dans toujours le même état professionnel, ben oui, je descends. Je descendrai sûrement avec Johnny, Gauthier, Petit Lou, tout ça. Ouais. Il y aura le Pascal aussi, contrebassiste, normalement, je crois. En plus, j'aurai... Oh, bah attends, on a des chanteurs, on a des contrebassistes, on a des guitaristes. Il y a du monde. Il manque que Tom Roth pour les solos, quoi. Hein. Et le groupe finira sur le parking du Auchan de Marseille. S'il y a un Auchan, je ne me souviens plus. Et se fait embarquer par les flics après, quoi. Parce que Abilu, on se fait virer. Et à 4h du matin, on est sur un parking avec nos packs de bière, tu vois. Et avec les guitares, contrebasse et tout. Et embarqué. Allez, mettez-moi ça dans le panier à salade. Un truc pour Margerin, quoi. Tout à fait. Mais c'était ma jeunesse, c'est à peu près ça, hein.
Ouais. Bah écoute, je vais te laisser parler pendant 2, 3, 4 minutes jusqu'à ce que je retrouve ton morceau, parce que je dois avoir à peu près 200, 300, 400 morceaux là sur les clés USB. Pendant 3 minutes, c'est long 3 minutes mon ami. Bah trouve un sujet de discussion et... Tes projets, je sais que t'es marié donc tu dragues pas mes copines, ça marche pas. Ouais, on m'a fait tranquille. Voilà. Moi je suis comme le rock'n'roll, je suis fidèle. Voilà. Voilà, non, bah voilà, donc j'ai écrit ce morceau, quand je t'ai dit, tiens, j'ai une idée, c'est sorti tout seul, mais j'avais besoin d'un guitariste, j'avais pas de guitariste, donc tu m'as mis en contact avec Tom Roth, que je remercie, sacré musicien, très sympa, avec qui j'ai bien sympathisé au téléphone, je le remercie encore, je t'enverrai d'autres morceaux, Tom Roth, si tu m'entends. Ah, Tom Roth. C'est vraiment, vraiment un bon mec, apparemment, et vraiment un super guitariste. Je suis vraiment content de ce qu'il m'a fait. En une prise, vraiment, c'est un don. C'est, voilà. Donc, il y a ce morceau. Je suis en train d'en écrire d'autres. Et j'ai en enregistré un autre. Et là, cette fois, la guitare aussi, c'est un morceau. C'est le petit John, l'ancien des Riot Rockin' Teds, qui m'a fait les solos. Mmh. Ouais, il est génial. Je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré dans un festival où je jouais à Brunet-en-Forêt. Et on a passé un super bon moment tous les deux. Il a même fait un bœuf avec nous. C'est un salut à T. John et à son père aussi, et à toute la bande là-bas, des Bretons. Et voilà. Voilà. On a partagé quelques scènes, même en Angleterre ensemble, tout, c'était bien. Voilà, donc je lui ai demandé aussi pour une guitare, c'est le plus dans le style rockabilly, c'est un morceau bien tête que j'ai écrit. Et il m'a dit oui tout de suite, bien sûr, il est impatient d'en faire d'autres. Et ben, je dis pas de souci. Donc on veut le prochain album, ça sera avec des invités, je pense. Je vais trouver des invités à droite, à gauche, comme ça. Bah, et en plus avec notre Tom Roth, guitariste super, le nouveau, oh là là, j'ai même pas fini ma première Desperados de la journée, je suis KO. C'est pour ça. Ah ben ça c'est le ton petit vaccin là, c'est pour ça. Ah ouais, le vaccin il se mélange avec la DSP, ça va pas. Tant qu'il y avait la vodka, ça passait quoi, mais là j'ai plus le cerveau qui fonctionne quoi. Je suis en train de te regarder un grand écran géant là. Ouais, salut. T'es fatigué là. Normalement la DSP ça te met en forme quoi. Non, ce qui me manque c'est la restauration, tu sais, quand tu fais je sais pas moi 14 heures par jour où tu te défonces à fond, tu as des bons collègues où tu rigoles bien, où tu prends du pouliche, où tu dis à la fin de la journée putain, j'ai fait 14 heures fois tant et tant par heure, oh, putain, mais c'est du pognon tout ça. Et à un moment ça s'arrête, ouais. C'est pas comment virer quoi, c'est que la saison elle s'est arrêtée donc ça se calme et tu as la chute. Pendant une semaine, t'as la chute. Heureusement que je fais ces émissions et que je vous retrouve et tout ça. Parce qu'autrement, le restant de la vie, je peux aller dans un bar, je peux aller dans un restaurant, je m'emmerde. Voilà. Ouais, bon, le corps, il s'est habitué à l'adrénaline, quoi. Et voilà, bah, la semaine prochaine, je serai au Parlement du mardi au vendredi. Avec ses chers députés, tout ça, mais on a quand même 300 personnes qui rentrent d'un coup, donc il faut les servir, il faut être attentionné, il faut parler, il faut sourire, il y a plein de choses. Et on se retrouve avec une bande d'amis, c'est un peu comme un groupe de rock'n'roll, quoi. Une fois qu'on se connaît, bah, c'est vraiment, tu connais la restauration, tu connais les bars, tu connais les discothèques, tu sais ce que c'est une bonne équipe. Oui. De toute façon, moi, avec une mauvaise équipe, je ne travaille plus. Il n'y a pas d'argent pour me faire bosser avec des cons. Donc, en général, là où je reviens, où je repars et tout ça, bah, en général, c'est des gens bien, donc je vais toujours avec plaisir. Mais c'est vrai que la fatigue, elle vient après en se reposant. C'est un peu comme les gens qui travaillent toute l'année et ils se prêtent des vacances, quoi. Ouais, tout à fait. C'est ça. C'est exactement. À tous qui viennent, ne foutez pas le bordel aux cocos-locos de plan, de campagne, car c'est moi qui m'occupe du service d'ordre avec mon ami Jean Soulin. Voilà. Mais t'inquiète, on va pas mettre le bordel. On est des gens bien. Une bonne partie d'entre nous sommes de la restauration, donc nous respectons nos collègues. Et nous avons passé l'âge, surtout. Voilà, et nous avons passé l'âge, c'est à beau. Est-ce qu'on va écouter Teddy Cats Rock'n'Roll maintenant? Parce que Billy, quand il ouvre sa gueule, voilà, c'est... Ouais, vite fait, après je vous laisserai, comme ça vous pouvez écouter le morceau. C'est un morceau que j'ai écrit donc pour toi, parce que ça m'a pour l'émission, toi, je parle un peu de toi aussi dedans, mais je t'appelais DJ, parce que je ne pourrais pas dire en anglais autre chose. Donc, et les groupes de la région qui viennent un peu partout de France, et c'est tout ce que j'aime, je parle de
je fais comme si c'est, j'ai écrit comme si c'était dans une soirée, pas comme pas par internet, pas par Facebook, comme si c'était une soirée où je rencontre le gang de potes et il y a du rock'n'roll, tout ça, et on a une grande famille, vous êtes les bienvenus et toute la suite, et c'est le thème du 4 rock'n'roll. Voilà, et je voulais passer juste passer un message à Henri. Moi j'ai un garde du corps de Paris, c'est un tonton flingueur, c'est monsieur Marco qui vient spécialement de Paris, ça sera mon garde du corps. Heureusement qu'il n'y a pas encore le Texan derrière moi. Ah, mon, tu peux faire garde, tu peux faire le service d'ordre autant que tu veux, il te regarde et tu te couches, quoi. Seulement, oh, avec un regard, hein. Le Texan, là, 2m5, hein. Fais gaffe, il va venir, il va descendre à Marseille, il va te fouetter, hein. Oh là là. Henri, fais gaffe à tes fesses, Henri. On arrive, Henri. On rigole, ça, c'est rock'n'roll. Allez, on va écouter Rocky Naldo avec Teddy Cats Rock'n'Roll, la nouvelle chanson. Rinaldo from Maria. Hello, Maria. Ma Marco, tu seras mon premier garde du corps. Nadège Widems, bienvenue. Bonsoir, bisous à toi. Teddy Cats Rock and Roll. Super pour danser, ce que je ne veux pas résister, Mimi. Pour le blouson que vous voyez, ceux qui sont intéressés m'écrivent en MP. Derrière, vous avez un grand Teddy Cats, devant, vous avez un petit Teddy Cats. Le grand, je peux pas vous le montrer maintenant, je vous enverrai des photos sur ma page demain. Vous avez plusieurs couleurs, vous pouvez les commander, vous avez encore 2-3 jours, parce qu'après, ça va... Il y aura la commande qui sera passée, il faudra attendre un petit peu pour les recevoir. Mais je vous laisse encore 2-3 jours pour les commandes. Il y en a de toutes les tailles, seulement ça doit être commandé à l'avance. Voilà. Allez, on va écouter Teddy Boy Boogie. Zombie Ghost Train. And I slit his throat.
Ça est beau gosse. Alors on a eu son. Pour toute commande, il faut m'écrire en privé et je vous dirai comment on fait. Ainsi que pour les t-shirts, les disques, les clés USB, tout ce qui se suit. Alors Arnold Gámez. C'était les Amigo Strain. Allez, on va. Lenny Rockers Band, Lenny Brothers Band, Boogie Boogie Queen. Allez, on dance maintenant, on monte sur la table. On rock and roll. I found the keys and play a song. A whole lot of shame. Ok, Patrick, il n'y a pas de problème, on en parlera. The joint starts rocking. I can't go on. Walks through the door, looking so mean. I can't breathe no more. I gotta make it dance. One thing's for sure, she's a boogie boogie queen. You know what I mean. She's a boogie boogie queen. You know what I mean. Hot chocolate and cream. Hell of 17. Vous écoutez le Billy Lyle Rock and Roll Show. I can refuse. Everybody's got the rhythm. I'm playing the blues. She's got the looks. She's got the smile. A lascivious away. Just tell me why. She ain't no woman. She ain't no child. Vous écoutez les Ernie Brothers. Woogie woogie queen. You know what I mean. She's a boogie woogie queen. You know what I mean. I'm shocked that they mean. Belly 17. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de maris qui écoutaient mon émission. Bah, je leur mets une petite chanson, les Blackbird, Marie Marie. Allez, pour toutes les Marie, Maria et Marie-Thérèse et Marie-Chantal. Marie-Marie.
Mezcal. The sun is down in the dark, he's eating it up. And you sing so sad, my baby. Allez, les Marie, les Marie-Thérèse, les Marie-Chantal, sur la table. Yeah, Johnny Gauthier, je te passerai ta chanson après. Maintenant, il y a un Rouskoff, là, un Tom Rolf. Il commence à se hisser dans les hit parades de rockabilly français. Et là, il nous interprète un morceau qui s'appelle Just Because. Just Because, en russe, ça fait Just Because. Tom Rolf. Just because your mama thinks you're hot. Well, just because you think you've got something that no other girl's got. Yeah, you call me to spend all my money. You love when they call me hard in summer clothes. I'm telling you, baby, I'm through with you. You cope with it just because. Time when you belong to, and they come a time when you be blue. Well, they come a time when old Santa, he won't pay a bitch for you. Yeah, you've called me to lose all my women, and now you say we are through. But I'm telling you, baby, I'm not through with you. Long, long, long time ago. Parce qu'elle est contente. Yeah. Bonsoir Olivier, bonsoir Thierry Clément. So pretty, and just because your mama thinks you're hard and thinks in time. Well, just because I think you got something, but no other. You let go, yeah. Yeah, you told me to spend all my money, money. You love and hold me hard, you said I'd go. I'm telling you, baby, I feel with you. You told me, well, just be told. Sacré Tom Rolf, il a dû boire beaucoup de vodka quand il était jeune pour le sortir en rock'n'roll comme ça. Allez, une chanson pour Johnny Gauthier, c'est son libre Rockabilly Johnny pour nous quitter. Allez, Rockabilly Johnny, yeah! Allez, à tous les guerriers du rock'n'roll, rendez-vous à demain soir, 19h. Il y aurait les news des concerts de Mimi. Et vendredi soir à 19h, n'oubliez pas, j'ai un rendez-vous avec un grand organisateur de festival, c'est G.
Eugène Vidal en personne. Et après cette chanson en prime, je vous en passerai une qui est interdite normalement. Après, je vais vous passer l'hymne de Ted pour nous quitter, pour nous dire au revoir. Alors, je la passe. Je sais qu'elle sera censurée à part après, mais je vous la passe quand même. We are the Teds. We are, we are, we are the Teds. We are the Teds. We are the Teds. We are, we are, we are the Teds. Noël Brel, bienvenue. En privé, Laurent Husson, je te répondrai comment on fait pour avoir la veste Teddy Katz. Veste Teddy, Teddy Katz. We are the Teds. We are, we are, we are the Teds. We are the Teds.
We are the Zeds. Allez, bah, gros bisous aux filles. Une grosse paluche. Poignée de main aux Rockers. Et à demain, 19h, pour une émission où il y aura beaucoup, beaucoup plus de musique. Il y aura l'intervention de Mimi qui vient de nous présenter les concerts de France, de Navarre, de tout ce qu'elle a trouvé un peu sur Internet et de tout ce qu'on lui a communiqué. N'oubliez pas les groupes qui écoutent, envoyez à Mimi ou à moi des flyers, comme ça on pourra communiquer sur les festivals et les concerts qui sont maintenus en ce moment, en période difficile. Donc voilà, on se quitte. Comme d'habitude, mon truc traditionnel, c'est 3, 2, 1, 0. À demain soir, 19h. Et n'oubliez pas, vendredi, le grand rendez-vous, c'est avec Gégène Vidal, le producteur de concerts ou l'organisateur de concerts du Sud-Ouest. Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, etc., etc. Voilà. Allez, ciao, ciao. Il viendra nous raconter un peu qui il a rencontré. Je sais qu'il a rencontré beaucoup de grands, Crazy Caravan et compagnie. Donc, il va nous raconter quelques petites histoires. Allez, ciao.